les copines. J'espère que vous allez bien. Bon, bah, je fais plus rien, moi je compte à rien. Donc, bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme. On est vendredi, il est presque 1h de l'après-midi. Donc, voilà, je vous prends un peu plus tard que prévu. Hier, j'ai pas vlogué. Hier, je l'avoue. J'ai pas vlogué parce que mercredi, j'étais pas top top, j'étais pas bien. Et j'ai passé une nuit de mercredi à jeudi qui était pas top top. Je me suis endormie à 3h30. Et nous, nous avons des tortues et on les a changées de bac. Et je les ai tous pris en main. C'était trop cool. Mais je peux en prendre qu'une seule en main parce que les autres, elles crachent quand je les prends. Parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont tomber dans mes mains. J'ai des trop petites mains gardées pour les tortues. Donc voilà, donc je disais que, après cette petite explication de tortue, que j'avais donc passé une super mauvaise nuit. Donc du coup, hier matin, après 3 cafés et ma paire de lunettes sur le bout du nez, je me suis quand même décidée à aller au Luxembourg. Ça l'a fait quand même. Du coup, j'ai pas filmé hier, mais je vous ai quand même filmé les achats qu'on a fait, dont le nouvel aquarium. Et les tortues, on vous a filmé. Voilà, donc le nouvel aquarium des tortues. Et donc là, maintenant, tout de et suite. Et les tortues sont dedans. Et quand elle a filmé l'aquarium, les tortues étaient dedans. Et quand j'ai pris quelques tortues en main, et ben vous nous avez vu parce qu'elle a filmé. Voilà, si vous n'avez pas compris. C'est pas grave. Donc du coup, là, je vous envoie tout de suite la vidéo avec donc, le nouvel aquarium. Les prix vont se mettre également en dessous. Et donc du coup, d'ici là, j'aurai viré Zoé parce qu'elle bouge beaucoup et qu'elle va être très ennuyante pour la vidéo. Donc on se retrouve tout de suite. Les prix se sont marqués en barre, enfin ici en dessous. Donc du coup, je vous mets aussi le lien de notre boutique en ligne. Donc comme vous voyez, ça diminue un petit peu derrière les produits. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos du Facebook, de la chaîne et du catalogue PDF. Également ici en dessous, ça va s'inscrire. Il y a le Facebook de la boutique en ligne. Et il y a le Facebook de la chaîne, ainsi que mon Instagram. Enfin, tout est en train de s'inscrire ici en dessous. Ça va défiler au long de la vidéo. Et tous les liens sont évidemment en barre d'infos. Sinon, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Je mets assez bien de petites choses, de petites photos, etc. Donc, du coup, on est allé hier au Luxembourg. On est allé au Tom & Co. Donc, vous avez vu ce qu'on avait acheté. Et donc, on est allé exactement au Zeman aussi. Et donc, au Zeman, on a acheté quelques petites choses pour les enfants, des chaussettes, etc. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on a acheté. Et tu as dit qu'on aurait un jouet si on avait des sages. Oui, j'avais dit qu'on aurait un jouet si vous avez des sages, mais il n'y avait pas de jouet. Chez Zeman, il n'y avait rien d'intéressant, donc on y retournera. Donc, Zoé, je vais te demander d'aller sur la table de nuit et de me prendre mes lunettes parce que je pense que j'ai des petites frimouches devant les yeux. Donc, à mon avis, j'ai besoin de ma paire de lunettes.
Donc je vais couper quelques secondes parce que je ne sais pas du tout où sont mes lunettes. Donc voilà, je vous reprends. J'ai dit à Vissot d'aller faire un tour parce que elle n'a pas bougé autour de moi, elle n'arrête pas de parler, c'est un peu ennuyant quand tu fais une vidéo. Donc du coup, je vous disais que tous les liens pour les produits LR, etc. sont ici en dessous et aussi en barre d'infos, qu'il y a le Facebook du pro, il y a le Facebook de la chaîne, il y a mon Facebook à moi, tout ça va se noter ici et les liens seront en barre d'infos de toute façon, en dessous de chaque vidéo. Il y a également le lien PDF pour le catalogue, donc vous pouvez voir directement en dessous. Et pour commander, ben, vous allez sur le Facebook LR, DIM ETS LR, ou sur mon Facebook à moi. Les liens sont donc ici en dessous et ils se déroulent ici en dessous de la vidéo également. Donc voilà. Donc du coup, là, je vais vous présenter tout ce qu'on a été acheté au niveau du Zeeman au Luxembourg. Donc du coup, je me suis installée et j'ai pas allumé le truc. Hop, derrière. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a acheté. Alors on a fait le plein de chaussettes. Donc je vais essayer de faire ça avec ordre, mais ça va être compliqué parce que il y en a plein les sacs. Et oui, il y en a plein les sacs. Donc on va commencer par les chaussettes. Alors j'ai acheté des chaussettes Roi Lion, évidemment, c'est la sortie, vous vous doutez bien. Lion King pour Angelina. C'est deux paires par petit paquet. C'est 1,79 €, mais de toute façon, je vous mets le prix ici en dessous. Donc, ça, c'est pour Angelina. On a repris celle-ci aussi pour Angelina. Donc, il y a 5 paires. Et c'est des petites chaussettes bordeaux et grises. Grise et noire, etc. Même si c'est une petite fille, ben, je me dis que dans cette bottine, c'est toujours bien l'hiver d'avoir des bonnes grosses chaussettes comme ceci, surtout qu'elle reste énormément en chaussettes quand elle fait sa psychomotricité, etc. à l'école aussi. Donc, du coup, je lui ai retrouvé des petites chaussettes comme ceci. Alors, on a repris celle-ci aussi en 35-38. Et celle-ci aussi, c'est du 35-38. Donc, à 10 paires, 5 paires pour chacun. Des garçons, donc j'ai pris parce qu'ils sont communs. Il y en a un qui fait 36 et l'autre qui fait 38. Donc du coup, les chaussettes, je les prends souvent communs. Donc il y a 5 chaussettes comme ça, toutes noires. Et j'ai repris 5 chaussettes comme ça, avec le talon chaque fois d'une couleur autre. Et ici aussi, puis deux bleus, un bleu et une grise. Donc il y a plusieurs couleurs dans le tas. Donc ça, c'est pour les garçons. Alors j'ai repris ensuite pour Zoé. Toujours des 35-38, Zoé elle fait du 34, 33, 33 je pense. Donc je me suis dit que c'était pas mal. Donc j'ai repris, ben, comme les garçons, une avec des talons de couleurs différentes et le bout des pieds qui est à chaque fois en truc. Et alors en fait elles sont en 3-4 couleurs celles de Zoé. Je vais vous montrer. Donc voilà. Hop. Et le talon et la pointe sont mauves, là c'est gris, et puis le restant c'est noir, avec un petit foufoutage comme ça. Il y a les mêmes en rose, voilà, il y a les mêmes en jaune, il y a les mêmes en rose clair, et les mêmes en vert doux. Et ensuite je lui en ai pris avec toutes sortes d'étoiles, etc. Donc des étoiles, des petites lignes, toutes grises, voilà. Des étoiles, il y en a une ligne, il y en a une toute grise, il y en a une... À ligne rouge avec le talon tout rouge et la pointe qui est toute rouge, et puis on a une bleu marine avec des étoiles blanches. Donc voilà, je regarde ce que j'ai encore en chaussettes parce que j'ai rechargé beaucoup en chaussettes. J'ai également repris des comme ça, mais ça c'est pour Zoé, parce que celle-là c'est pour les garçons. Je sais pas si j'ai précisé, celle-là c'était pour les garçons, il y avait 3 paquets, et donc celle-ci c'est pour Zoé. Donc voilà, et là il y avait plutôt des petites roses à fleurs, des toutes blanches. Des grises avec une petite ligne. Voilà. Je vous montre ici derrière. Comme ça, voilà. Voilà, il y a 5 paires comme ceci. Donc ça, c'était pour les enfants. Je pense que c'est tout en chaussettes pour les enfants. Ensuite, hop là, mon chéri s'est repris des comme celle-ci, toutes noires. Il a repris 10 paires. Donc voilà. C'est des toutes noires. Il y a 10 paires, donc c'est des chaussettes toutes noires, simples. C'est celles qu'on prend tout le temps, nous, j'en rachète 2 ou 3 fois sur l'année.
c'est bien souvent d'être toutes noires. Alors pour moi, j'ai repris des sockets toutes noires également. Il y a 5 paires. Donc voilà, c'est des toutes petites sockets. Parce que j'aime pas les chaussettes qui montent trop. Moi, pour les femmes, je trouve pas ça top top. Donc voilà, il y en a 5 comme ça noires. Il y a ensuite des sockets comme ceci, toujours pour moi. 3 paires. Le coq sportif. Et c'est toujours en format petite socket. Et je pense que j'avais encore repris des autres. Ici, hop, j'avais repris celle-ci et celle-ci pour moi. Donc voilà, des petites comme ceci. Et voilà, comme ça. Ça, c'est pour rester chez moi l'hiver. En fait, quand je reste à la maison, je mets ces petites choses-là avec mon pyjama bien chaud. Et j'ai repris la même, mais version étoile et ligne. Donc celle-ci, c'est vraiment pour rester à la maison. C'est les 4 persis. En fait, c'est pour rester chez moi. Ça me sert de pantoufle. Je l'avoue que je suis pas très pantoufle. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris des chemisettes pour Angelina. Alors, j'en ai repris une rose. Je ne sais pas si c'est pas une. Je crois que oui. J'ai repris une toute rose comme celle-ci à 2,99 €. Voilà, avec un petit zèbre dessiné dessus. Oui, ils sont très typés tout ça pour le moment avec la sortie du rayon, c'est super. Et j'ai repris deux comme ceci. Donc une toute blanche avec des petits donuts dessus en forme de lapin. Et la deuxième, elle est comme ceci, à petit pois, toute simple. Donc ça, c'est pour Angelina rentrer à l'école. Toujours pour Angelina, on trouve beaucoup pour les tout petits. Que pour les grands, je trouve déjà plus chez Zeman. J'ai repris ceci, toujours typé avec le roi lion, une petite robe comme ça pour mettre avec un petit legging ou voilà, un petit collant en laine. C'est toujours beau. En plus, j'aime bien parce que les petits pois ici sont un peu brillants. Donc voilà, avec un petit élastique avec le petit nœud aussi qui est mon style brillant. Donc ça, je la trouvais super jolie. Donc ça, c'était pour Angelina. Et je lui ai repris un ensemble également, Angelina. Voilà. Hop. Une petite chasuble, genre sweatshirt comme ça, grise. Avec Make My Day dessiné dessus. Et j'ai pris du 100, du 9804. Voilà. Et il y a le petit legging qui va avec. Avec sur le côté, hop, une petite ligne aussi rose et brillante. Donc ça, c'était pour Angelina. Ensuite, pour Zoé, elle s'est repris ceci. Une petite blouse comme ça, voilà. En vert, comme ça, avec un petit col et des petites épaules tombantes. Donc voilà, j'ai trouvé super belle, j'aimais bien la couleur. Et je me dis, même en hiver, où tu mets un petit... Une petite blouse en dessous, longue manche collante, comme ça, tu mets ça dessus, ça donne un petit style au soupule, etc. Donc, ensuite, les filles se sont pris donc ceci, parce qu'elles ont pris aussi beaucoup de bonbons hein, qu'elles ont mangé hier. Donc, voilà, elles se sont pris des petits sacs comme ceci. Donc, ici, vous voyez, c'est Zoé qui a pris ça avec la petite tête de chat, le petit Noé. Et voilà, c'est une petite pochette que vous voyez. Ça fait petit sac déjà. Voilà, ça, c'est Zoé. Ensuite, Angelina a pris la même estampe de Angelina. C'était rien du tout, quoi. En forme de petite grenouille. Angelina a une passion. Elle a le sac à dos pour l'école. Vous verrez ça dans le Back to School. Aussi en grenouille. Elle a une passion pour les grenouilles, les reptiles. Depuis qu'on a refait l'aquarium des tortues, à mon avis, ça lui travaille un petit peu. Donc, elle s'est pris un petit sac aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris aussi? Ben, elle avait pris beaucoup de bonbons, des Fruitella, des machins comme ça. Je me suis repris ceci, moi. Donc, c'est un genre de petits paniers, petits sacs, super solides, avec un scratch. Donc, ceci, bien dur. Et donc, avec deux petits poignées sur les côtés. Le design est juste superbe. Et en fait, c'est pour mettre ma lampe UV. Parce que, comme je fais mes ongles au gel moi-même. Elle ne rentrait pas dans mon beauty case. Je vous montrerai ça aussi une fois. Elle ne rentrait pas dans mon beauty case, la lampe. Donc, du coup, je me suis pris un petit sac comme ceci. C'était aussi 1 €. Du coup, je me suis dit, ça fonctionnera super, super bien. Ils s'étaient pris tous des paquets. Je vous en montre qu'un. Ils s'étaient pris tous des petits paquets comme ça de chiclets.
Et ils avaient également pris, je pense, des petits paquets de Fruitella. Ensuite, je suis bien pris ceci. J'en ai pris 4, c'est les thés d'oreiller, parce que j'aimerais bien que mon lit, in fine, soit tout blanc. Donc j'avais déjà pris les housses de matelas. J'avais pris une couette. Et maintenant, je viens de prendre les thés d'oreiller. J'en ai pris 4, donc des paquets de 2. Comme ça, on change, on fait une tourmente. Mais donc, in fine, j'aimerais bien que mon lit qui est juste à côté soit tout blanc. Donc voilà. Vous verrez que chez AliExpress aussi, j'ai repris des décos style. Style des petits tapis en poils comme ça, tout blanc, pour mettre sur les tables de nuit, etc. Donc j'ai pris. Donc on a pris tout blanc. Je veux que toute ma maison soit blanche. J'aimerais bien. Donc mon chéri a trouvé également ceci. On en a pris 3 paquets. J'en ai que 2 ici, mais on a le troisième déjà en bas. Et là, jette pour tout en fait. Hein. Pour la bouche, pour les petites fesses d'Angelina, pour les mailles. Quand on a besoin d'une lingette pour les enfants ou des frères, ben, je me dis que c'est toujours bien. Donc, ça sent hyper bon la noix de coco, c'est une tuerie. Et ensuite, qu'est-ce qui reste là en dessous? En fait, j'ai repris une petite truelle de petits élastiques comme ceci, avec des petits zèbres et des petits lamas. Voilà, j'ai repris des petits élastiques pour Angelina. Il y en a un avec un zèbre, un avec un lama, puis les autres c'est sans rien du tout. C'est pour faire sa petite queue quand elle va à l'école. Sinon, en bonbon, il reste. Je suis là, j'arrive. Ils ont repris des Mentos, un paquet de Tic Tac. C'est aux enfants mélangés, donc je ne sais pas ce qui est à qui. Et un bubble gum au cookie. Donc voilà, je pense que je vous ai montré tout ce que j'avais pris chez Zeman. J'ai le ticket, il est extrêmement long. Chaussettes, je vous ai montré. Les petites chemises, l'ensemble, je l'ai fait. Les robes, je l'ai fait. Les lingettes, je les ai mis. Chaussettes, je les ai mis. Les bonbons, je vous en ai montré. Les élastiques aussi. Ouais, non, j'ai rien oublié, t'es doré. Voilà, j'ai le petit listing, je vais pouvoir vous mettre les prix. Donc voilà, c'est ce qu'on a racheté chez Zeman. Alors, pour être honnête avec vous, maintenant, on est allé donc 4 fois. Au Luxembourg, on est gagnant pour l'essence, évidemment. Ils sont imbattables. On gagne à peu près 30 euros par semaine. Il faut savoir qu'on fait beaucoup de kilomètres parce que pour l'instant, en tout cas, on habite encore loin du travail de mon chéri. On déménage là en juillet prochain, donc dans 8 mois. On retourne en fait tout près, donc dans le centre du pays, dans la région Utuas, Namuroise, Andenes, cet environ-là. On retourne par là, donc ça ne changera rien pour la chaîne, hein, parce que je sois là-bas aussi, tourner, c'est tourner. Et donc on retournera là-bas, plus près, mais ici, donc on fait à peu près 90 km aller, 90 km retour tous les jours du lundi au samedi. Vous imaginez le nombre de kilomètres qu'on encaisse, enfin, que mon chéri encaisse. Et donc du coup, on gagne 30 euros par semaine sûr et certain. Et puis alors au niveau des cigarettes, ben c'est à peu près la même chose. Donc pour 8 paquets de 30 gauloises, il a payé 54,80 €. En sachant qu'ici un paquet est à, je ne saurais plus vous dire, c'est un petit temps que j'en ai plus acheté en Belgique, mais en tout cas sur les cigarettes toutes marques confondues, vous êtes également gagnant. Sur l'essence, vous êtes gagnant. Sur l'alcool, vous êtes gagnant. Voilà. Sur le Zeman, vous êtes gagnant aussi parce qu'il y a des différences sur certaines choses et pas sur d'autres. Mais de toute façon, je pense que sur tout ce qui est habits, sur tout ce qui est chaussures, etc., vous gagnez quand même fameusement. Oui? Tiens, t'entendais parler. C'est mon fils qui m'entendait parler. Donc voilà. Par contre, sur la nourriture, ça ne sert à rien. Donc voilà, donc sur tout ce qui est vêtements, sur tout ce qui est chaussures, sur tout ce qui est marque, etc., vous pouvez franchement y aller. Il y a plus d'une centaine de magasins je veux dire, dans le centre commercial même. Il y a un coiffeur, enfin, il y a beaucoup de choses. Et je crois qu'il y a même deux, en fait, deux parkings. Donc vous verrez, c'est ouvert à l'Ascension, de toute manière, et tous les dimanches, et même les Lidl sont ouverts le dimanche là-bas. Donc voilà, donc si vous ennuyez un dimanche, ben, allez-y.
Je crois que je vais vous mettre le lien en fait de Port Murlock aussi dans la barre d'infos, comme ça vous aurez tout de suite l'adresse, etc. Vous ne devrez pas chercher 6 mois non plus. Donc voilà. Donc pour ce qui est de la nourriture, par contre, ça ne vaut pas la peine. Voilà, je vous dis honnêtement, c'est le même prix que chez nous. Donc voilà. Moi, j'ai été chez Lidl histoire de me promener, histoire de voir. Il y a des différences sur les produits, évidemment. Par exemple, eux, leur lait, c'est Luxlait. C'est un lait luxembourgeois. Il y a des petites choses comme des croquettes, etc., qui sont différentes de chez nous. Tout ce qui est calamar, pieuvre, etc. Nous, on n'a pas, mais eux, ils ont ça dans leur Lidl. Les jus aussi, enfin, il y a des petites choses qui sont différentes au niveau des produits entre certains Lidl en Belgique et les Lidl chez eux. Mais sinon, au niveau prix, on est équivalent. Au niveau nourriture, il n'y a aucune différence. Donc, voilà. Il n'y a pas vraiment, je veux dire. Maintenant, la grande galerie, oui, effectivement, on a une grande diversité. Et il faut savoir que du 15 au 18 août, c'était l'excès les Crazy Days. Donc, c'est encore les Crazy Days pour l'instant. Donc, c'est-à-dire, il y a des marques à 70%, il y a des prix ronds dans à peu près tous les magasins comme JBC Express, etc. Il y a des trucs du style, vous avez la première paire, vous l'achetez la deuxième, t'as 50%. Enfin, voilà, pour le moment, c'est les Crazy Days jusqu'au 18 août. Donc, voilà, ça vaut la peine. Au Zeman, il y a beaucoup plus de choix. Au Tom & Co également, il y a beaucoup plus de choix. Le Tom & Co est énorme comparativement au Tom & Co que nous on connaît. Les Tom & Co là-bas, ils sont gigantesques. Donc voilà pourquoi on est allé au Luxembourg. En plus, c'est ouvert aux jours fériés, c'est ouvert les dimanches également. Donc c'est vraiment, ça valait la peine. Donc voilà. Sinon, comme je vous ai dit au début du vlog, c'est un vlog qui sera un peu plus court aujourd'hui parce que hier. Déjà, on était à se promener, et puis je vous dis, j'ai passé une sale nuit de mercredi à jeudi. Et donc, jeudi, je me sentais pas de prendre la caméra et de commencer à filmer. J'étais pas top top, donc j'ai préféré pas vous infliger ma tête de déterrer. Donc voilà, j'ai un problème de legging parce que c'est une taille basse et il me gêne. Donc là, voilà, ça c'est la blouse que je vous avais montré, que j'avais pris dans l'ancien Hall Zeman. Donc voilà, c'est une blouse léopard, je l'adore. Je dirais la deuxième ou la troisième fois que je la mets. Donc voilà. Sinon, mercredi soir, comme j'étais pas top top, j'ai regardé. On a achevé Casa del Papel. Donc voilà, on attend avec impatience la quatrième saison. Donc j'ai eu du mal à accrocher à la première, la deuxième était bien, la troisième était nickel. Donc voilà, j'espère que la quatrième sera encore mieux. On a commencé hier le premier épisode d'une série qui s'appelle Zombie. C'est un peu humoristique, ça, voilà, j'ai accroché, donc on verra au soir, on continuera. Donc du coup, mercredi soir, comme j'étais pas top et que mon chéri était en train de se reposer parce que lui aussi est très fatigué, j'ai refait mes ongles. Voilà, je les ai fait en tout noir. Donc voilà, j'ai refait mes ongles en noir et voilà, les enfants sont en train de jouer au PC, comme vous entendez, de courir, et on entend un peu le bruit autour de moi. Ça diminue, donc un jour c'est déjà fini les vacances. Je ne les ai pas vu passer. Mais alors, pas vu du tout passer. Franchement, ça a été super, super, super vite. Et je me dis, dans 8 mois, alors, il reste septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Dans 10 mois. Dans 10 mois, on déménage. Ça va extrêmement vite. Donc, ça va me faire bizarre de retourner dans ma région natale, mais je sais que je serai bien puisque j'ai toute ma famille. Donc voilà, tout le monde m'attend avec impatience. Donc voilà. Je vous montre aussi une dernière fois les produits. Voilà, vous les avez de plus près comme ça. Donc voilà, c'est une gamme à l'aloe vera, à la camomille, à le bobo bio, à l'huile d'olive bio, à comment est-ce qu'ils disent? Liquinacea. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Donc voilà, la crème pour les mains, etc. Le restant est parti, mais moi je recommande comme je veux. Donc voilà, ça c'est notre boutique en ligne à l'air. Donc voilà, ce sont des produits naturels. J'ai des très très bons retours pour l'instant des gens qui en ont acheté. Donc voilà. D'ailleurs, les gens qui m'ont commandé, si jamais, ben, vous pouvez toujours donner vos impressions sur la page à l'air, me dire exactement ce que vous en pensez.
Et voilà. Donc comme ça, je pourrais évidemment envoyer vos retours aux gens. Donc je sais que c'est pas facile, hein, parce que quand on ne connaît pas les produits et qu'on vous annonce ça comme ça, on vous pose un peu de questions. Mais en tout cas, c'est une marque allemande et il n'y a que des produits naturels dans leurs produits. Donc voilà, ce matin, j'ai brossé, j'ai fait des crêpes jambon fromage au midi pour tout le monde. On vient de les manger. Mon chéri a fini à 14h, mais repassé chez mon frère. Voilà. Alors ce week-end, ça va être plus calme, évidemment. Là, demain, on va chez ma maman, comme tous les samedis. Et dimanche, on va rester, je pense, tranquillou à la maison. On n'a rien prévu, donc on va rester tranquillement à la maison. On va continuer notre petit tri. J'aimerais bien trouver une place pour la cage parce qu'on va avoir un lapin. Oui, alors, cette histoire de lapin. Faut savoir qu'à la base, on avait des chats. On avait deux chattes qui ont accouché de six chatons. Alors, les six chatons, il y en a trois qui ont été donnés. Il y en a un qui est en vadrouille depuis 2 mois et qui ne veut pas revenir. Et il y en a deux qui se sont fait écraser sur la route. Donc il ne me reste plus que Myrtille. Myrtille était retombée enceinte cette année-ci. Donc on avait dit, ben, ah, tant pis, on va assumer les chatons et la faire opérer. Sauf que tous ces chatons sont décédés sur 4 semaines de temps. Donc on est allé voir la vétérinaire qui nous a dit qu'en fait Myrtille était porteuse d'un gène stable et qui ne se déclenche que quand génétiquement en fait il y a un souci. Et donc en fait Myrtille a un gène qui fait qu'elle fait des chatons blancs alors qu'elle est toute noire. Et donc à partir du moment où il n'y a pas de chaton blanc, comme dans la première portée, ça se passait super bien. Une fois qu'il y a un chaton blanc, c'est mort. Ils ont la leucomose, la leucomatose, quelque chose ainsi. Et du coup, ils stockent dans leur rein, ils n'éliminent pas, ils font une montée du rein en fait, et donc ils se refroidissent et ils décèdent. Donc du coup, les chatons sont tous morts en 4 semaines. On les a perdus, les derniers sont partis la semaine dernière. C'était, je vous avoue, très dur, surtout pour les enfants, parce qu'on est des gens qui aiment énormément les animaux. On a un couple de perruches, on a, comme vous l'avez vu, quatre tortues. On est en train de monter l'aquarium pour les guppies. Et on avait donc les chats, qu'on n'a plus qu'un. Et on a un petit pipa, donc un petit hamster. Ça nous a fait mal. Les enfants, en fait, voulaient qu'on retente, mais nous, on a dit tout, on peut pas retenter, on peut pas refaire une portée à Myrtille, c'est pas possible. Ils étaient un peu tristes parce que, ben voilà. Donc nous, on sait qu'il n'y aura plus de chatons. Eux aussi, on n'en veut plus, on était trop mal. Et donc, on voulait adopter un animal, mais en fait, on hésitait beaucoup. Et quand on a vu les lapins, on s'est dit, oh, nous, on veut un lapin, quoi. Donc, du coup, on est allé faire un tour donc, au Tomenco hier. On a fait tout le tour du Tomenco là-bas, on a regardé les lapins, etc. Maintenant, on aurait pu l'acheter hier, le lapin, mais on avait 1 heure de route. Et j'avais pas envie de faire subir à cette pauvre petite bébête 1 heure de route dans la voiture, donc et puis on allait la mettre, et puis on repartait manger au McDo, et puis samedi on part, et tout ça, donc je préférais aller le chercher dans notre région lundi ou mardi, et qu'il soit avec nous toute une semaine, avant de se retrouver tout seul 3-4 heures quand on ira chez maman le samedi. Donc du coup, j'ai préféré ne pas le prendre. Moi, j'ai déjà allé voir hier, voilà, j'ai déjà demandé à ma copine qui s'y connaît, merci Nathalie, d'ailleurs je retournerai vers elle, un petit peu ce qu'il lui fallait, etc. Donc voilà, on est en train aussi de lire beaucoup de choses sur internet pour cette dent, etc. Enfin, il faut beaucoup de petites choses ainsi. Donc du coup, on devrait avoir Colosso, puisqu'il va s'appeler Colosso, la semaine prochaine. Donc voilà. Donc là, j'aimerais bien dégager une place devant la fenêtre de ma salle à manger pour mettre sa cage. J'aimerais bien une cage assez grande, mais en hauteur. Donc on va voir après ça également. Donc voilà. Ce matin, j'ai fait de la comptabilité, j'ai fait les bons de commande pour les produits qu'on vend, parce que je n'avais pas fait les bons de commande, donc je viens de les faire, etc. J'ai bossé un petit peu là-dessus. Ce soir, c'est des bonnes pâtes bolo. C'est ma cousine qui m'a donné envie. Merci. Donc voilà, ce soir, je fais des pâtes bolo.
Vite fait et bien fait. Donc voilà, et on va achever sûrement. Enfin, achever, non, on va continuer la série Zombie, tranquillou dans notre lit avec mon chéri. Donc, c'est notre petite soirée, notre petit moment à nous. Au mois d'octobre, je vais à la mer du Nord. On va aller au stand 4 jours avec mon chéri, en amoureux. Donc voilà, les enfants sont déjà placés, deux chez ma maman et deux chez mon frère. Les garçons vont chez mon frère et deux filles chez ma maman. C'est les vacances de Toussaint, de toute manière. Donc, ils sont en congé, les garçons et les enfants. Donc voilà, et eux, ils sont à la mer du Nord la semaine dernière avec ma maman. Donc voilà. Du coup, je vais regarder fin septembre pour commander une petite chambre d'hôtel. Au stand même, tranquillou. Avec le petit déj compris. Comme ça, on va se poser avec mon chéri 4 jours. Ça va nous faire du bien. Donc voilà. Sinon, rien de bien neuf à l'horizon. Je vais vous mettre également maintenant la vidéo d'Angelina de ses progrès parce que je vous avais promis pour jeudi, mais comme je vous ai dit, j'ai pas su faire de vidéo parce que je vous ai dit, j'étais pas bien et en plus de ça, on est parti se promener parce que voilà, j'avais besoin de me aérer autant l'esprit que le corps. Donc, du coup, là maintenant, je vais vous mettre des vidéos que j'ai filmées d'Angelina. Des vidéos également de son aire de jeu, de son snowzone, des enfants qui ont aussi fait le snowzone, des enfants qui ont construit les caisses pour Myrtille, qui ont écrit son nom parce que son carton. Voilà. Et donc maintenant, je vous mets les vidéos et on se retrouve tout à l'heure. Petit papillon, il est où le papillon? Attends, on relève les trucs. Donc là, on est occupé avec Zoé à faire le coin Snowzone de Angelina. Donc c'est une ancienne piscine à balles quand Jean ne joue plus dedans, elle est bien trop grande pour ce genre de choses. Et donc on va découper les filets qui sont tous abîmés et qu'on n'a pas d'utilité puisque c'est fait pour retenir les balles et qu'il n'y aura pas de balles dedans. On va découper aussi ceci pour laisser l'entrée d'Angelina. C'est tout troué, alors on va couper. Voilà. Donc Zoé s'est proposé, j'allais le faire, mais Zoé s'est proposé de couper tous les voilages. Et donc vous voyez à l'intérieur, nous allons mettre le tapis d'activité et des petits coussins. On va juste laisser le voilage du fond pour qu'il y ait quand même un petit effet fermé à l'arrière. Et évidemment, la porte va rester ouverte. Alors Myrtille est évidemment très intéressée. Mais voilà, tu as ta boîte Myrtille. Retourne dans ta petite boîte, toi. Nickel, merci Myrtille. Donc voilà. Donc du coup, Zoé est en train de faire du découpage. Elle découpe très très bien. On voit qu'elle est en deuxième primaire cette année. Elle découpe très 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 bien. Alors je vous avais aussi parlé que je vous montrerai mes petites trouvailles, donc mes petites croquettes raviolis, parce que ça ressemble, comme vous voyez, à des raviolis. Dedans, dans celui-ci, c'est le cabillaud. Et ils ont fait la même chose, voilà, en petites crevettes. Donc du coup, nous allons manger ça ce soir, donc style chinois, avec des petites nouilles thaï et comme vous le voyez là-bas, les petites carottes sont en mode cuisson. Et donc voilà, le
le petit souper pour ce soir. Et donc, Zoé est toujours là. Et tu ferais bien de mettre une petite loque ou quoi dans la caisse, parce que visiblement, Myrtille vient d'adopter une caisse. Et alors ? Et donc, c'est son panier, visiblement. Elle l'aime. Oui, c'est intéressant, Myrtille. Oh la babale ! Et qu'est-ce qu'ils font ? Donc, comme vous le voyez, on n'a plus qu'un distributeur d'eau et un distributeur de croquettes, puisqu'on n'a plus que Myrtille. Et le deuxième distributeur d'eau est ici. Voilà, il est vide, il est propre. Je vais le relaver encore une bonne fois, parce que le lapin, c'est très très fragile. Et donc, la semaine prochaine, on va chercher... Le lapin ! Et il va s'appeler... Colosso. Colosso. Donc, voilà. Du coup, cette petite partie est faite mardi soir, mais sera évidemment diffusée dans le vlog de vendredi. Je coupe tout sauf là, maman. Oui, tu découpes tout sauf ceux du fond. On va voir plus facile. Donc, dedans. Tu rentres dedans, ça sera beaucoup plus facile. Donc voilà, on est en mode construction du snozzolène. Et donc vendredi, vous aurez le snozzolène fini. Voilà. Et donc, Angelina, du coup, fait sa petite curieuse et est venue voir ce que ses frères faisaient. C'est pour qui travaillent les frères ? C'est pour toi ? Oui ? Et d'ailleurs, Valentino s'y est mis aussi, hein, Valentino ? Ouais. Coucou ! Et Gert, oui, ils travaillent tous les deux, ils sont en train de découper les anciens filets non, correctement. C'est pas grave, ça. Non, mais essaye de ne plus que ça n'arrive plus. Mais essaye que ça n'arrive plus, hein. Okay. C'est pas les poids qu'il faut couper, c'est les voilages qui sont déchirés et de toute façon qu'on n'a plus besoin puisque c'est plus une piscine à balles, maintenant c'est un snozzolène. Donc un snozzolène, pour ceux qui ne connaissent pas justement, pour ceux qui ne connaissent pas le snozzolène est un coin de détente et de stimulation pour les enfants qui ont des handicaps locomoteurs et neurologiques. Et moi aussi je vais me reposer un peu. Oui. Et donc c'est un petit coin de repos dans lequel il y aura toutes sortes de coussins, toutes sortes de... le petit nounours, ou Angelina, ou ses frères et sœurs pourront les se mettre. Celui qui est en face de la porte, non. C'est en fait, tu regardes celui qui n'est pas déchiré. Donc celui-là n'est pas déchiré, c'est celui-là tu dois le couper. Tu vois, regarde. Lui-là, il n'est pas déchiré et il est en face de la porte. Donc tu coupes celui-là. Celui-là qui est déchiré, il est déchiré ? Oui, hein. Ben, tu coupes le déchiré et pas le non déchiré. Donc voilà, ça sera un snozzolène. Donc je vous le montrerai évidemment quand il sera totalement fini. Je voulais le faire moi-même, puis les enfants ont décidé de m'aider, donc c'est sympathique, merci. Donc voilà, les enfants sont en train de le faire, c'est gay en même temps, on découpe dans des tentes, c'est marrant. Et donc voilà, donc du coup là-dedans, il y aura tous des petits coussins, tous des petits nounours, des petites lampes, etc. Voilà, on va acheter tout ce qu'il faut, il nous manque juste les lampes en fait. Ah, oui, ça, ah, c'est pour toi ah. Voilà, oui, c'est pour Angelina. Et donc on va pouvoir acheter des petites lampes, etc. pour mettre dedans, style des LED, etc. Et donc Angelina va se plaire énormément. Ah. Deux oui, tu vas bien aimer. Je rentre 2 minutes. Voilà. Et comme vous le voyez, Myrtille est toujours de la partie. Hein. Dès qu'il y a les enfants qui sont là, Myrtille, elle vient voir. Hein. Ah, Myrtille. Oh, ma loulou. Voilà, elle se fait caresser par Angelina. C'est une brave nanette, ça, notre Myrtille. Hein. Oh, oui, c'est une brave. Voilà. Donc, voilà, moi, je vous dis à tout à l'heure. Angie, tu manges quoi? Banane. C'est bon? Oui, crois dedans. Donc vous voyez ça, c'était quelque chose d'impossible. Il y a encore 6 mois d'ici, même pas. Angelina ne savait pas, faire ça, quoi, croquer dans une banane, dans une galette, dans quoi que ce soit. Donc maintenant, elle commence à manger comme une grande. La déglutition a bien évolué. Donc nous sommes très très contents et comme vous le voyez, on a un apprentissage de manger puisque ce matin on a mangé, comme vous le voyez sur le petit t-shirt, on a mangé du chocolat. Oui, on va avoir nettoyé tout le bébé et mettre un nouveau t-shirt. Donc voilà, on est face au snozzolène. Donc comme je vous l'avais dit, on a coupé donc dans une ancienne piscine à balles les voilages qui étaient tout habillés. Donc voilà. Bonjour Angie. Voilà. Coucou.
Donc comme vous voyez, Angie a facile, sauf que Zoé s'appuie, donc elle ne met pas le bras là. Donc vous avez Angie qui sait facilement sortir et rentrer. Et dedans, vous avez tous les différents coussins d'Angina. Il restera juste un tapis d'activité. Mais donc quand elle sort ou quand elle rentre par, par là ou par là. Et donc voilà, elle a tout son snowballon avec le truc. Donc, et là, j'ai froid, il est passé 14h. Donc du coup, j'ai fait tout le bas, j'ai brossé, j'ai ramassé toutes les crasses, j'ai fait la vaisselle du temps du midi, j'ai été ranger mes mannes de linge, j'ai rangé toutes les chaussettes et tout ça dans les packs de tout le monde. Enfin, j'ai bossé un peu de peu. J'ai également été voir Angelina, qui va très bien, elle est occupée avec ses tortues. C'est une femme de tortue, d'ailleurs, je vous mets tout de suite une photo. Voilà. Donc du coup, elle est toujours devant l'aquarium. Je vais vous mettre des vidéos, etc. tout de suite. Donc là, je vous ai mis des vidéos d'Angelina qui mangeait sa banane, etc. Donc vous avez vu qu'elle fait des gros progrès au niveau de déglutition. Et là, maintenant, tout de suite, je vous mets une vidéo d'Angelina avec la rencontre de la tortue. Un peu mal. Oh, la tortue. Elle avance. Oh là là, où elle va? T'as peur? Donc vous aurez vu qu'au début elle avait un peu peur, mais bon, c'est impressionnant des tortues, donc voilà. Donc je vous ai mis quelques petites vidéos, etc. Je vais vous mettre évidemment de nouveau les liens pour la boutique en ligne LR, donc des produits que nous vendons. Nous sommes indépendants pour la marque LR, qui est une marque allemande qui vend des produits de qualité et qui vend des produits évidemment naturels aux huiles essentielles, l'échinéa, propolis, etc. J'ai eu des super retours, même ma maman est conquise, elle vient d'essayer ça, la crème, et je vous mets la photo d'ailleurs de sa crème. Donc voilà, c'était 23,99€. Elle en est super contente, elle m'a dit qu'elle ne collait pas, qu'elle avait un effet froid, enfin c'était rafraîchissant au niveau du visage, etc. De toute façon, je vous l'ai dit, le lien va se monter ici. Voilà, mais sinon, les liens sont en barre d'infos, et je vais rajouter le lien de mon Facebook, que j'utilise pour la chaîne, en supplément de celui que j'ai déjà pour la chaîne. Et comme ça, vous aurez les trois Facebook et vous pourrez donc choisir celui qui vous convient le mieux pour passer commande. Si vous voulez passer commande, le lien de PDF est également en barre d'infos. Donc tout ça se trouve en barre d'infos. Vous déroulez, vous regardez. Il y a les tout AliExpress, etc. Enfin, voilà, je vais vous rajouter aussi, comme je vous l'ai dit, le site de Pomerlock du Luxembourg, etc. Donc je vous mets tout ça en barre, en barre, en barre, en barre, en barre, en barre d'infos. Donc vous n'avez qu'à dérouler. Vous avez vu également qu'il y avait des changements au niveau des transitions, qu'il y avait des changements exactement, etc. Donc je vais aussi commander sur AliExpress un petit micro et une lampe faciale pour qu'on puisse avoir une meilleure qualité encore. Donc tout ça va venir. Donc du coup, moi, je vais devoir aller voir Angelina parce qu'elle est en bas toute seule et que j'entends qu'elle commence à pleurnicher. Je vais essayer quand même de la mettre à la sieste. Je vais également ranger tout ça. Parce que ben, y a ma canette de coca, il y a encore un sac Zeman dans lequel il y a des bonbons, il y a encore mes thés d'oreiller qui sont là derrière le chat, il y a notre bébé chat qui est ici, donc voilà, donc je dois faire tout ça. Donc moi je vais vous dire à mardi 18h pour le vlog blabla du lundi et du mardi. La semaine prochaine vous aurez une vidéo back to school, enfin vous l'attendez, vous l'aurez. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, c'est ici en dessous que ça se passe. N'oubliez pas la cloche de notification pour avoir toutes nos vidéos. N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos. Si jamais vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram, oups, ça se met ici en dessous. N'oubliez pas également les liens pour notre boutique en ligne LR, des produits de beauté que nous vendons. Hop, ça se met ici en dessous. Aussi, mon Dieu, qu'est-ce que je vais avoir comme montage, ça va être chouette ça. Du coup, moi, je vais vous dire donc à mardi, je vais vous souhaiter un excellent, 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 excellent week-end. Profitez des gens que vous aimez, profitez de vos animaux, de vos parents, de tout le monde. Aimez-vous, c'est le plus important parce qu'on n'est riche que de ça. Le reste, c'est des détails et de la futilité. Je vous fais d'énormes bisous qui vont atterrir ici, comme d'habitude.
Et je vous embrasse très fort. Bye!